grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il est temps, il est plus que temps de sortir de nos tombeaux. Il est plus que temps de sortir de ces lieux où nous sommes loin de la lumière de Jésus. Alors Jésus va nous rejoindre aujourd'hui comme il a rejoint les pèlerins d'Emmaüs. Il va nous rejoindre et il va prendre le temps de nous parler à travers les Écritures, de nous expliquer les Écritures, et il va rendre nos cœurs, espérons-le, brûlants du désir de le retenir. Reste avec nous, Jésus, car il se fait tard. Reste avec nous, Jésus, parce que sans toi, notre vie tombe en ruine. Seigneur Jésus, nous t'accueillons au début de cette Eucharistie. Nous te laissons nous rejoindre. Nous te laissons nous rejoindre dans nos joies, dans nos peines, et au cœur aussi de nos péchés. Viens nous donner ta lumière, s'il te plaît. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh,
prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ. Il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout son peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route ?» et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Chers amis, là je m'adresse aux plus anciens, peut-être que vous avez déjà été interpellés par ces sites sur Internet où on vous propose de retrouver des gens que vous avez connus à l'école dans votre enfance. Peut-être qu'une fois on vous a tiré par la manche dans la rue en vous interpellant « Salut, est-ce que tu te souviens de moi ?» Et stupeur en voyant la personne qui vous interpellait, vous ne vous souvenez plus du tout d'elle. Vous ne vous souvenez plus du tout de la copine ou du copain avec qui vous avez joué au foot ou qui était à vos côtés à l'école. Alors vous grattez un peu la tête et puis vous fouillez dans votre mémoire jusqu'au moment où un petit détail transperce votre mémoire et votre cœur. Ça peut être un éclat de rire. Il paraît que le rire révèle le plus profond de la personne. Moi j'ai un ami, il rit d'une manière qui est absolument... unique. Donc lorsqu'il sera vieux et lorsqu'on ne reconnaîtra plus, on reconnaîtra encore son rire. Si je rencontre Zinedine Zidane dans la rue, peut-être qu'il sera vieux et que je ne le reconnaîtrai pas physiquement, mais il suffira qu'il fasse son passement de jambes magique pour que je le reconnaisse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la personne, un geste, un regard, une attitude, qui dit le plus profond d'elle-même. Tout peut se transformer. Mais le noyau de la personne le plus intime, qui se révèle toujours d'une manière ou d'une autre, ne peut être transformé, ne peut changer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste. Et ce quelque chose qui reste, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus profond, on dirait la personnalité de chacun. Mais la personnalité, c'est un peu faible, parce que souvent notre personnalité, c'est ce que nous montrons aux autres et que nous avons construit. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ce qui fait que nous sommes uniques. C'est ce que Dieu connaît. Alors vous avez remarqué comment Jésus, eh bien, dans un premier temps, lorsqu'il rejoint les apôtres, eh bien, il n'est pas reconnu d'eux. Leurs yeux étaient incapables de le reconnaître, même empêchés de le reconnaître. C'est déjà intéressant pour nous, parce que depuis 3 semaines, nous avons beaucoup regardé. Nous avons beaucoup regardé la messe à travers YouTube. Nous avons beaucoup regardé des émissions, des séries, etc. Et en fait, nous en avons assez. Parce que nos yeux ne peuvent pas, par eux-mêmes, pénétrer la réalité. Vous connaissez la phrase du Petit Prince, le secret du renard. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et donc, j'ai besoin, pour bien voir, de descendre dans le cœur. Et vous avez compris que les disciples d'Emmaüs, avant de reconnaître Jésus, il faut que Jésus les fasse passer de la tête ou des yeux au cœur. Et c'est un long travail pour les faire descendre au plus profond de leur cœur, parce que c'est là qu'il a rendez-vous avec eux. Et pour les faire descendre au plus profond de leur cœur, il leur explique les Écritures, jusqu'au moment où il va poser ce geste unique, et c'est peut-être le geste qui nous fait reconnaître Jésus. Nous n'avons pas la chance, nous, de connaître les traits humains de Jésus. Par contre, nous connaissons ce geste parce que nous le voyons tous les dimanches ou tous les jours, ce geste qui dit le plus profond de l'identité de Jésus, celui qui dit « Je suis le pain de vie ».
Il se fait reconnaître au moment de la fraction du pain. C'est tellement beau ce geste. En fait, si vous voulez tout oublier de Jésus et vous souvenir juste d'un geste, eh bien retenez celui-là. Ce qui est intéressant, c'est que pour certains, il se fera reconnaître autrement. Rappelez-vous de Marie-Madeleine qui vient au tombeau et qui prend Jésus pour le jardinier, le gardien du jardin. C'est assez ironique parce qu'en réalité, il est bien le gardien du jardin, le jardin de la création, le jardin qui avait été perdu par le manque de vigilance d'Adam et Ève qui ont laissé le serpent du péché et de la mort le pénétrer. Et bien voilà que Jésus, le nouvel Adam, vient reprendre possession du jardin qu'il donne à Marie-Madeleine et qu'il rend à travers elle à toute l'humanité. Avez-vous remarqué avec Marie-Madeleine comment il se fait reconnaître? C'est en prononçant son nom. Il y a une intonation de la voix unique. Il y avait une manière unique avec laquelle Jésus parlait à Marie-Madeleine. En fait, il y avait une manière dont il avait touché son cœur et elle s'en souvenait. Et ça, c'était resté gravé au plus profond de son cœur. Et Jésus avait pu changer, imaginez-vous, quelques heures avant de le revoir près du tombeau, elle l'avait vu sanguinolent, elle l'avait vu abîmé. Comment aurait-elle pu, si elle restait à la surface, le reconnaître, alors qu'il était brillant de lumière, qu'il était brillant de vie? Un peu comme le matin, vous savez, quand la lumière nous inonde, et nous sommes éblouis et nous ne reconnaissons plus rien. Alors il nous faut un son familier, il nous faut quelque chose qui nous reconnecte au niveau du cœur et qui nous reconnecte à notre identité profonde. Vous comprenez en fait que Jésus nous rejoint chacun, se fait reconnaître à nous, et c'est un petit peu, si on prenait une comparaison comme pour ceux qui ont vécu une rééducation après un accident. Petit à petit, eh bien, il nous rejoint, il nous remet debout, il nous retourne vers la vie. Avez-vous remarqué comme les deux disciples s'éloignaient de Jérusalem tout tristes et il les rejoint? Et sans doute qu'il a remarqué que ce qu'ils aiment, c'est discuter, alors il discute avec eux. Mais il fait descendre leur discussion de la superficialité jusqu'au cœur en les enseignant sur les Écritures jusqu'au moment où leur cœur est brûlant. Et il se fait reconnaître à ce geste inimitable. Chers amis, je crois que nous sommes très proches des disciples d'Emmaüs. En fait, on a vécu des choses assez traumatisantes, reconnaissons-le. On a vécu en un an, et toujours autour de Pâques, autour du temps de Carême, l'année dernière, la destruction spectaculaire, traumatisante de Notre-Dame de Paris, elle a bouleversé tout le monde. Et cette année, eh bien, ce confinement qui n'a aucun précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu aller dans les églises. Et sans en aller directement dans cette dimension religieuse, nous n'avons plus pu poser les gestes les plus humains. C'est-à-dire que nous n'avions même plus le droit de serrer dans nos bras, je parlais des familles, où dans un couple, on ne pouvait plus se serrer dans les bras l'un de l'autre. Je connais un fiancé qui, il y a quelques jours, eh bien, n'en pouvait plus, il a fait 120 km pour aller revoir sa mère. C'est tellement beau, ça. Voilà un garçon qui est vivant. Voilà un garçon qui sait où est la vie. Parce qu'il n'a pas perdu le chemin de son cœur. Chers amis, c'était violent pour nous. C'était violent pour nous tous, pas seulement pour les chrétiens, mais particulièrement pour les chrétiens. Parce que les chrétiens, eh bien, ce sont ceux qui ont été rejoints par Jésus, non pas dans leur tête, mais dans leur cœur, et par des gestes. Souvenez-vous de Thomas, il va reconnaître Jésus en touchant les plaies. Nous avons besoin de toucher. Nous sommes très câlins, nous sommes très tactiles, les chrétiens. Particulièrement. Alors, chers amis, il faut que Jésus nous explique ce qui s'est passé. Je voudrais lancer deux, trois pistes. Avez-vous remarqué que le confinement a commencé au début du carême? Le carême, c'est un temps de jeûne. On a jeûné de contact physique, de contact humain. On a jeûné de messe. On a jeûné de toutes sortes de choses qui sont essentielles. Eh bien, ça tombe pas mal en réalité, parce que pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne pour se souvenir de l'essentiel. Et se priver de quelque chose qui est essentiel, c'est peut-être nous rappeler précisément, douloureusement, dans notre chair, que c'est essentiel. Et j'espère que vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol de m'entendre parler à travers cet écran. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol de vous parler à travers cet écran. Et j'espère que vous avez cette réaction. Peut-être que certains d'entre vous se disent, au contraire,
contraire, je vais avoir du mal à sortir du confinement. Peut-être que je me suis un petit peu habitué à ce confinement. Peut-être que je suis rentré dans ma coquille comme le Bernard l'ermite. Et en fait, c'est difficile de sortir à la lumière. D'une certaine manière, il y avait un confort qui me protégeait des autres et du monde. Alors là, vous devez entrer, avec nous tous, dans la deuxième conversion. La première conversion, c'est celle du carême. Je me prive pour redécouvrir ce qui est essentiel dans ma vie. La deuxième conversion, c'est la conversion de Marie-Madeleine, des disciples d'Emmaüs, de Thomas. C'est la conversion de la résurrection. Et il faut 50 jours pour ça, pour arriver jusqu'à la Pentecôte. C'est accepter d'accueillir la vie. C'est accepter de revivre. Tous les gens qui ont eu un accident, qui ont vécu de longtemps dans leur chambre, peut-être enfermés dans une rééducation, eh bien, il faut du courage pour aller vers les autres, pour remarcher, pour rechoisir de vivre. Eh bien, c'est la conversion que nous devons vivre. Il y a des gens qui ont demandé au gouvernement, ouvrez les églises, on vous promet qu'on sera respectueux. Oui, on vous promet qu'on sera respectueux, on a toujours été des normes sanitaires. Mais on a besoin de se voir, on a besoin de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Peut-être que le temps du carême, la destruction de Notre-Dame l'année dernière, nous a rappelé ce qu'il y a d'essentiel dans la vie de l'Église. Peut-être que ça nous l'a rappelé douloureusement. Je me souviens personnellement de ce signe de la flèche qui tombe de Notre-Dame l'année dernière. Qu'est-ce que c'est qu'une flèche? C'est quelque chose qui montre le ciel. Eh bien, peut-être que ça nous a rappelé que la première mission des chrétiens de l'Église, c'est de montrer le chemin du ciel. Peut-être que c'est un signe qui nous rappelait que l'Église, parfois, oublie de montrer le chemin du ciel. L'Église, comme dit le pape François, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une institution humanitaire. C'est d'abord le signe de Dieu. C'est d'abord celle qui doit montrer le chemin du ciel. C'est d'abord celle qui doit louer, chanter, prier, supplier. C'est celle qui doit se présenter devant Dieu avec un cœur grand qui aille jusqu'au ciel. L'Église, c'est d'abord celle qui adore et qui loue. Peut-être que nous nous sommes rappelés. Nous devons nous rappeler de ça. Peut-être que nous nous rappelons aussi que l'Église, c'est celle qui doit ouvrir son cœur à toute l'humanité, à tous ses frères. Moi, j'ai une petite peur. C'est qu'en revenant du confinement, on rate le confinement, les chrétiens. C'est qu'on revienne dans le petit club. C'est qu'on revienne dans... Vous savez, mon père a insisté pour que l'Église se rouvre. Mais s'ouvre à qui? À vous seulement? À la petite chaise que vous aviez quand vous étiez là? Non, l'Église doit s'ouvrir, comme toujours, au monde entier. Et nous devons demander à Jésus de dilater notre cœur aux dimensions de son propre cœur pour accueillir. C'est tellement beau l'image que prend le pape François quand il dit que nous devons ouvrir les portes de l'Église, mais trop souvent ces portes sont fermées de l'intérieur, comme dans le cénacle. Et donc c'est plutôt les ouvrir de l'intérieur pour sortir vers le monde. Nous devons sortir vers le monde. Nous ne devons pas simplement revendiquer nos droits de chrétiens, une communauté parmi d'autres. On entend ça parfois. Il y a d'autres communautés, on les respecte et nous, on ne les respecte pas. C'est vrai, peut-être, peut-être. Mais notre vocation n'est pas de réclamer des droits pour nous, mais d'être avec Jésus donné au monde. Alors peut-être que cette épreuve du confinement doit nous rappeler cet essentiel. Vous savez ce qui est intéressant quand il y a des destructions, quand il y a des choses comme ça qui ont remis en question les fondements même de ce à quoi nous tenions, c'est que peut-être ça nous permet d'aller au cœur. J'ai une image, moi personnellement, je me la livre. Il y a quelques années, il y a un réalisateur qui se demandait qui était Picasso, quel était le secret de ce grand peintre. Vous aimez ou vous ne l'aimez pas, moi j'aime beaucoup. Et il a eu l'idée, c'est Henri-Georges Clouzot, de le filmer en train de peindre. Et Picasso de commencer une très belle œuvre, très belle première esquisse. Et on se dit, pourvu qu'il s'arrête là, c'est tellement beau qu'il signe. Et juste après, il s'amuse à détruire son beau dessin, sa première esquisse, et à la surcharger de toutes sortes de couleurs. Et on trouve ça trop dommage. On dit, pourquoi a-t-il détruit ce qui était tellement gracieux, tellement beau? Et alors il fait un commentaire en même temps qu'il peint, et il dit, vous inquiétez pas, si l'idée était bonne au début, elle réapparaîtra. Et elle réapparaît autrement. Et on revoit une autre image très belle apparaître.
Et là encore, il s'amuse à la détruire à nouveau. Vous savez, c'était le maître de la déconstruction. Et il fait ça plusieurs fois. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers ces apparentes déconstructions, eh bien, on voyait un fil rouge, l'idée, l'inspiration de plus en plus belle, de plus en plus purifiée, celle qu'il y avait au départ, qui n'était pas celle de Picasso, mais celle qui portait très profondément dans son cœur l'inspiration. Quand des choses sont détruites dans notre vie, eh bien, essayons de voir ce qui va rester lorsque tout sera tombé. Rappelez-vous Notre-Dame qui s'est écroulée, qu'est-ce qui est resté au fond? L'autel était encore là, la croix était encore là, la statue de la Vierge Marie était là. En face, l'autel Dieu, vous savez, l'autel Dieu, c'est-à-dire l'autel des pauvres qui avait été construit en même temps que la cathédrale était là. C'est-à-dire peut-être qu'il y avait un rappel de ce qui est, ce qui durera toujours, ce qui ne doit pas s'arrêter, ce qui est vraiment l'essence de la vie de l'Église. L'essence de la vie de l'Église, eh bien, c'est d'être ce lieu où l'on célèbre la gloire de Dieu, ce lieu où on écoute les Écritures, on se laisse enseigner, et ce lieu où se réalise la fraction du pain, chers amis. Alors, nous aspirons à sortir de ce confinement, mais nous devons réussir notre sortie du confinement. Les apôtres ont dû réussir, ils n'ont pas tellement réussi à accompagner Jésus dans sa passion, mais ils ont dû réussir, j'allais dire, leur examen de résurrection, se laisser rejoindre par lui. Nous, nous avons vécu comme nous pouvions le confinement. Ça a peut-être été douloureux pour beaucoup d'entre vous. Il y a peut-être eu des deuils, des séparations, des choses pénibles, certainement. Il y a peut-être aussi des choses belles. Vous avez approfondi certaines dimensions que avait mis de côté avant. Mais maintenant, il faut réussir le déconfinement. Alors, on va le réussir ensemble. On va réussir, eh bien, cet appel à la vie. On va se relever, on va sortir de nos tombeaux. On va laisser Jésus nous rejoindre et nous permettre de nous retrouver les uns les autres. Vous avez vu comme les deux disciples s'éloignaient de Jérusalem, Jésus les rejoint et les fait retourner à Jérusalem où ils vont pouvoir retrouver les autres chrétiens, les serrer dans leurs bras, leur annoncer que Jésus les a rejoints, chanter « Christ est ressuscité, Alléluia, il est vraiment ressuscité, Alléluia ». Alors, bon déconfinement progressif à tous, et bonne fête de la Pentecôte. Je vous rappelle que la Pentecôte, ça s'approche, et c'est le moment où les portes du Cénacle vont s'ouvrir de l'intérieur, sous le souffle de la vie, sous le souffle de l'amour, sous le souffle de l'Esprit-Saint. Amen. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous allons dans cette Eucharistie déposer toutes les intentions que nous recueillons au cours de notre semaine. Je vous invite dans la paroisse Saint-André à porter tous nos frères isolés, malades, je pense tout particulièrement à François,
et à tous ceux qui nous sont recommandés, tous ceux qui ont du mal aussi à sortir de la solitude. Eh bien, Seigneur, nous te les déposons dans ce geste de l'offertoire, avant la fraction du pain, il y a le geste des mains qui sont tournées vers toi, qui s'offrent et qui offrent les joies, les peines de nos frères.
pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci
remercier la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Aujourd'hui, notre
péchés. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Regina Celi, et Ave, Alleluia, quia te benedicti portare, Alleluia, presum exit, secum exit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. L'intelligence, ce n'est pas d'abord une faculté rationnelle. L'intelligence, intelligere, c'est lire de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est voir les choses dans la lumière du cœur. Trop souvent, nous sommes avec notre rationalité et nous jugeons à partir de notre intelligence, ou alors nous jugeons à partir de notre affectivité ou de nos passions. En réalité, il faut laisser le Seigneur nous faire voir les choses de l'intérieur. Lire les événements, lire les choses, contempler la réalité avec le cœur de Dieu, de l'intérieur. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors nous nous consacrons au cœur de Jésus et de Marie parce que les cœurs de Jésus et de Marie ont toujours été unis profondément dans le cœur de Dieu. Et nous pourrions rajouter aussi qu'il y a une vertu que nous pouvons demander à Jésus et Marie. C'est la vertu de magnanimité, avoir une âme grande, un cœur grand. Lorsque nous nous consacrons au cœur de Jésus et de Marie, eh bien, nous leur demandons de dilater notre cœur. Notre cœur est trop confiné, notre cœur est souvent trop centré sur lui-même, et notre cœur a du mal à s'ouvrir au cœur de Dieu, s'ouvrir aux dimensions du cœur de tous les hommes, s'ouvrir à la grandeur de cet amour que l'Esprit Saint veut susciter en nous, dans nos cœurs. Alors faisons cette démarche avec simplicité et d'abord
chantons notre joie d'avoir accueilli le Christ ressuscité. Ces
gestes qui nous ont ouvert, qui nous rouvrent maintenant le chemin du cœur profond, le chemin de ce lieu secret, de ce lieu saint en nous. Où nous pouvons toucher ton cœur, Jésus, avec le cœur de Marie aussi, ce regard de Joseph aussi. Il y a ce mystère de cette union profonde entre les cœurs de Jésus et de Marie. Dès le premier instant de ton existence, Seigneur, tu étais tout près du cœur de Marie pendant ces 9 mois où elle t'a porté en elle, puis ces 30 années où tu as vécu dans l'intimité de Nazareth, sous le regard de Dieu le Père, sous le regard de Joseph. Ton cœur était accordé au cœur du Père, le cœur de Marie s'est accordé à ton cœur, le cœur de Joseph était accordé à ces 2 cœurs unis. Et par la suite, tu n'as eu de cesse d'accorder le cœur de tes disciples. Pensons à Jean, le disciple bien-aimé qui a reposé sur ton cœur à la dernière scène, qui a contemplé ton cœur transpercé, ce cœur qui a laissé jaillir du sang et de l'eau, ce cœur même que ce côté que Thomas a pu toucher, qui laissait jaillir la vie, la gloire. Alors Seigneur Jésus, donne-nous de retrouver le chemin du cœur, le consacrons. Nous nous consacrons à ton sacré cœur et au cœur immaculé et douloureux de Marie. Seigneur, nous nous consacrons au cœur sacré de Jésus, d'où a jailli l'amour de Dieu, uni au cœur immaculé et douloureux de sa mère, la Vierge Marie. Nous consacrons alors 2 cœurs, nos vies, nos familles, notre pays, la France et le monde entier en cette période d'épidémie et d'incertitude qui touche les plus isolés et les plus fragiles. Nous te demandons pardon pour nos manquements et en particulier pour les infidélités de la France à l'alliance avec la sagesse éternelle. En nous unissant avec Marie au sacrifice de réparation de Jésus, nous t'adressons avec lui cette prière. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Par l'offrande de nos vies au service du bien commun, nous nous unissons avec Marie à l'offrande d'amour de Jésus, et avec lui nous disons « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Nous te supplions de nous venir en aide et d'alléger le fardeau qui pèse sur notre pays. Et sûr de ta miséricorde, nous disons, Jésus, j'ai confiance en toi. En allant au cœur de Jésus par le cœur de Marie, nous lui demandons par l'intercession de sa mère de bénir et de protéger notre Église pour la rendre de plus en plus fervente et missionnaire, rayonnante de la miséricorde divine auprès de tous, dans le souffle de ton Esprit Saint. Dans la lumière de la résurrection, Seigneur, nous te demandons de redonner à la France et à notre monde l'espérance et la paix, et d'écarter cette épidémie. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue, Marie.